J'aime l'Italie déjà, c'est une des raisons qui m'ont fait choisir ce métier. Les Halles parce que c'est le cœur de la ville et parce que c'est l'endroit où les gens viennent choisir des bons produits. C'est l'endroit où il faut être, il y a une ambiance. J'essaie de proposer aux clients un panel de produits en produits frais, donc charcuterie, parce que la charcuterie italienne, c'est réputé, c'est bon, c'est fin, c'est raffiné. La charcuterie, les pâtes fraîches, les lasagnes, les antipastis, les sauces tomates, des pâtes surtout, des pâtes du sud de l'Italie. C'est les petits producteurs donc, que je suis allée démarcher. Du café, du bon café aussi. Comment s'organise votre journée ? Alors ma journée, moi je travaille du mardi au samedi, donc tous les matins principalement, donc 9h30 jusqu'à 14h30 avec de la restauration du midi pour les clients qui viennent déjeuner en ville. Donc je fais des pâtes chaudes notamment, des plats préparés, des lasagnes, des tartes. Et donc tout ça du mardi au samedi, le matin, le vendredi toute la journée et le samedi toute la journée. Est-ce que ça gagne bien ? Ah ! Alors, au début, pas beaucoup. Il faut vraiment s'accrocher. C'est un métier où il faut être résistant. On est debout toute la journée. J'ai fait pas mal de choses pour arriver là. Bon, j'ai fait un BTS tourisme d'abord. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, ce qui permet de dire qu'on peut faire plein de choses dans la vie sans avoir forcément le diplôme. Parce que là, je n'ai pas de diplôme particulier, si ce n'est que j'ai fait de la restauration. Mais maintenant, quand on est motivé, quand on veut, on peut se lancer. Mais il faut vraiment s'accrocher, quoi.